Ouais, mais bon, elle a 7 d'armure quand même. 7 d'armure, c'est pas Puis mal. bon, Attends, mais elle a elle. été augmentée de tiers? Je sais pas. Elle était Non, pas à elle est 6 pas dans un max? tiers où elle peut avoir. Ah, je sais pas. Moi, je crois que c'était 6 max, autant pour moi. Peut-être. Même pas doré, j'aurais pris la Mi. Oui, bon, là, t'es un forceur. Ou non, mais j'ai pas de regret sur le pick de Nomi, ça c'est certain. Mec, a un grand sourire derrière dans le mode cheveux à côte, mais. Regarde, il essaie juste de trigger et toi tu sautes dedans à Ben pieds ouais, joints. mais il est fatigant, il est fatigant. Tu sautes dedans à pieds On va joints. te mute, toi, nous, hein. Le shadowban, c'est un shadowban qui va tomber. Il vérifiait en fait s'il était pas déjà Shadowban. Ah, Avec un message à la con. elle a changé de tir au dernier patch, ok. Et ils l'ont mis plus haut? What? Bon, écoute. Bien joué. Encore et encore un très bel. Bah ça c'est pour les gens à low elo qui appuient dessus quand t'as 4 HP ça. C'est qu'il y a, une commande dans le chat de XQN et c'est en mode l'histoire, c'est ouais, je m'élance, je vois que le streamer joue la liche, qu'il a moins de 4 PV et je me dis je vais faire la plus grande vanne que l'humanité n'ait jamais vue et tout et je mets HP loul ou un truc comme ça. En vrai, le texte il est rigolo. Et ça m'a fait bien rire parce qu'en effet, il y a toujours quelqu'un pour le faire dans le chat, hein. On parle de Shadowban. Arrête, arrête, toi nous. Dis-toi qu'en plus, t'es un de ceux dont je lis le plus les messages. Donc imagine comment les autres se sentent. Les tiers, ça change chaque semaine. Bah, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que ça. En théorie, ça équilibre mieux le jeu. Oui, c'est plutôt bien que ça change souvent. Et direction la taverne 3! Allez hop. Ah ouais, mais moi j'aime bien faire la curve où là j'HP, j'achète 2. Puis Après, après tu level up sur j'HP 5. pas après. Et Ah, puis. mais bon. Là, Ah oui, là c'était la pas Bouddhi a possible. décidé que tu allais pouvoir level up, hein. Là en effet, pas trop le choix quoi. Ouais, tu dis pas bonsoir à Unico alors que Unico c'est le premier à nous avoir montré la quête du buddy. On ne savait même pas qu'elle existait. Ah, c'est lui Il qui l'a m'avait découvert? DM pour me montrer la quête du buddy. Ok. Que je n'ai toujours pas eu d'ailleurs. C'est ouf. Le nombre de games Ah, que j'ai j'ai faites, c'est pas insane en vu. vrai. Toujours pas vu. J'avoue que si nous on l'a jamais vu, ils ont peut-être un peu forcé sur le peu de proba de. Ça me va que ce soit rare, tu vois. Mais genre, il y a des. Nous on le verra éventuellement un jour, mais il y a des gens, ils vont jamais voir le truc, hein. Ils ont dit que les buddies reviendront. Bah, c'est bon, ils sont revenus à travers la C'est quête. vrai. Ils n'ont pas menti. C'est quoi cette quête? En gros, t'as une quête qui te donne ton. Oh Taverne 4! là là! Dezo! Chouchou! Qui te donne ton buddy en doré. Mais la condition pour l'avoir, c'est que tu n'aies pas de héros qui soit sorti après les Naga. Oh. Ou qu'il n'y ait pas Elise. Ah. Ou qu'il n'y ait pas. Je sais plus qui. Et. En gros, tous les héros qui n'ont pas de buddy, quoi. Plus Elise. Parce que Elise a changé de HP. Oui, mais donc elle a pas de buddy qui est lié à Ouais. son HP. Et en plus de ça, même si cette condition-là est remplie, c'est super rare de l'avoir. Je sais plus le pourcentage, mais. Dog l'a eu une fois, il a autant voire plus de games que vous. Non, je pense pas que Dog ait plus de games. En tout cas, pas plus que Felkin ce mois-ci. Ah, clairement pour. C'est pas possible. Ce dog, il lance son stream, il l'arrête et crois-moi que il rejoue plus. Hein. En tout cas, que nous deux réunis, c'est. Non, mais même Oh! juste que Oh, attends, toi. c'est un frère lui! Bah oui, il a Je proche, l'avais pas je vu. t'avais dit. Oh, c'est un vrai frère. En vrai, c'est pas mal ça. Avec ça et tout. Perdre. Ouais, mais on n'est pas dans un setup où on va On va perdre plus là. perdre là. Oh, attends, le spec, c'est trop bien! Aspect, c'est bien. 12 cartes, ça va en plus. Pourquoi Il y en a ils eu. hurlent là? C'est les smashers là en plus. On peut plus là, les joueurs de Fortnite, les smashers. Allez hop, viens par là toi. Ah ouais, mais attends. Je pense ça. Et on reste comme ça. Réfléchis, est-ce qu'on veut la 6-3? Prochain tour, en théorie, notre play c'est pouvoir acheter 3. Ce qu'on pourrait faire, c'est acheter. Ouais, on perd beaucoup. Pouvoir acheter la 1-4, la vendre. Ouf. Ah, Et et comme ça, sur l'acheter 3, on a plus de chances d'avoir on des bons aura un bon trucs. truc parce qu'on aura un roll en prime. Et du coup, on peut jouer avec le chambellan ce tour-ci et qui donne plus de. Oh, mais attends, mais il donne plus de à quoi? Oh, Un Pachemar? à la Pachemar ou à la 4-6, je sais pas moi. Bon, c'est Pachemar, du coup, j'imagine.
Ça me paraît ok parce que les chances qu'on ait vraiment une bonne taverne où on veut acheter les Ouais, trois, ça me choque pas. je sais pas trop. On setup le Pachemar et après il nous donnera des trucs. Ouais, non, là il faut leur dire de se calmer quand même. Mais non, je ne crie pas! Oh! En plus, on est tombé sur le frérot! Bah, lui doit avoir son triple et il se dit, oh, je vais bien level up! En vrai, on s'est mis très très bien. Entre Jojo qui level up 300 boards et lui qui est nul. Ferme la porte, on a trop chaud si on ferme la porte. Ouais, c'est ça le problème avec le studio, c'est que c'est un peu terrible si. On va quand même prendre lui. Ouais, je Ça pense. Hein. représentera beaucoup de C'est au boost. pire, on peut recaler un rôle si on. Lui, sans savoir ce qu'il y a au prochain rôle, c'est compliqué à Non, ça me prendre paraît quoi. naze. Oh! Oh putain! Oh, mais attends, mais c'est incroyable! Ah oui, là c'est assez C'est incroyable. la teuf! Ah ouais, mais attends, mais. Huh. Bah, on n'est pas obligé de pouvoir, en fait. On peut juste vendre les 2-2-2, non? Oh. Oui. Mais est-ce que c'est grave? Ah, parce que tu vois, l'écho de la 2-2 se mettra juste Ouais, mieux c'est sur les vrai. prochains tours. Ok. Et on achète juste les deux là. Hein. Rondelle. Tu veux pas acheter rondelle? Tu veux acheter. Ah. Parce que moi, je pars du principe que optimiser Oui. Pachma alors qu'on est fort, ça n'a pas d'intérêt en fait. Ok. On prend lui, hein. Ouais, je suis d'accord. Et j'imagine qu'on booste rondelle. Ouais, mais. Ouais, en plus, on veut même pas tant que ça la savane parce que ça synergise mal avec Non, ça me semble notre pertinent quête. ce qu'on fait là. Est-ce qu'on pas un Moi je chambellan vends. Ouais, plutôt? moi je boosterai un chambellan en effet. Non, on est pas mal là. Ah, j'ose espérer Bah qu'on en est pas fait le mal. truc c'est que techniquement on devrait être dans cette situation avec genre entre 5 et 10 PV de moins. Genre ça s'est vraiment mis trop bien pour nous. Oui. Ça faut pas faire les amis, hein. Souvent c'est de la merde, hein. Il faut pas prendre la. Bon après peut-être qu'il avait juste rien de mieux, mais. Oui, pour moi il avait rien de mieux. En Mais la vrai, par quoi 9-8, c'est ok. Hein. ouais, mais En... si tu peux Je éviter pense la qu'il avait pas 9-8, mieux. Hein. la Enfin... 9-8 c'est nulos. Hein. La dernière fois j'ai joué, je l'ai joué et j'ai dû prendre Jean. J'étais pas heureux. on va juste up. C'est quoi, on chope lui? Ou tu vois mieux là? T'es à combien sur ta quête? Ça va proc. Oui, donc on n'a pas besoin d'acheter un naga. Attends. Ah non, on a besoin d'acheter un naga. Ah non, on a besoin Oui, d'acheter un on a naga. justement besoin d'acheter un naga, oui. Bah sauf si ça. Non, parce que ça va proc. Ah, ça dépend si Pachemar vit et on a peut-être pas envie de dépendre de ça. Ouais, ça me paraît un peu trop ambitieux pour une 5-4 qui est pas si forte que ça non plus. La question c'est juste lequel des deux on achète du coup. Moi, j'irais furer des vents. Oh, mais comment on se place aussi? Tu veux le mettre sur lui? Ouais, moi ça me choque pas. Attends, il est fort lui ou pas? Et ça, je le mets où? Ouais, peut-être la 6-3. Ah, mais du coup, tu penses qu'on la récup? Ouais, ambitieux. Attends, je vais voir si on se positionne comme. J'ai peur qu'on ait ça là. Allez, me first. Ok. En vrai, c'est même pas. Enfin, À droite. c'est À à droite. nous, mais. À droite, rondelle. Tout à droite. Bon, bah, Bon, rondelle. ça va, ça va. Rondelle, c'est pas horrible, Ouais, c'est j'imagine. fine, hein. Ouf! Est-ce que c'est envisageable de rep ou est-ce que c'est juste trop greedy? Oh! Bah non, pas tout de suite. Oh là, on va attendre de voir ce qu'elle a déjà. Pas mal, pas mal. Je pense pas que. Ah! Peut-être un bon achat lui quand même. On va Préfère d'abord voir ce qu'on attendre. a pour un plus 1, On va plus voir ce 1. qu'on a et puis. Ah, tu vois, j'avais dit. J'avais dit. Ça écoute pas.
avait dit. Je suis là jeudi et ça écoute pas. Ça dégoûte. Alors, toi, tu dégages bien fort. Bon, lui, on va vouloir. Ah, pas chemin ou lui? Bon, déjà, on va roll. Oh! Alors C'est lui, beaucoup c'est trop de boost. de boost quand même, hein. Attends, avant de jouer, est-ce qu'on veut, si on veut autre chose, peut-être qu'on peut avoir Bran dans le rôle d'après. Et Bran est pas si horrible que Son ça. lui, il est vendu. Ouais, c'est vrai que lui, on veut pas le jouer. Oh, oh dommage. Attends, ce sera forcément bien de jouer avec une hydre, Ouais, hein. j'avoue que l'hydre, elle est trop bien là. Mais du coup, je garde ça et je vire Pachemar. Ouais. Ah, je suis déçu. On va pas jouer les pirates. Oh Oh! là What là. the fuck? Avance la 22-16. Hein. Atissa au fond, Atissa au fond. Au fond, tu penses? Bah ouais. Mais on va être trop fort Bah là. j'avoue qu'on va le défoncer en fait. Je pense pas que je la mette au fond. Oh là là, la Ah, transi c'est trop pirate, la transi dangereux! pirate! Oh non. Oh, je suis abattu quoi. Mais y a rien qui meurt là. Ah oui, non, mais on est tour 7, gros. C'est vrai qu'on est Au tout. J'avais oublié ce fond, détail. il m'a dit la Atissa, genre Allez, limite arrête le du. mec, elle serait morte hein. J'aurais dû l'avancer, gros. Boum! Ah ouais, mais là, il faut jouer des pirates là. Level up. Ah, ça donne très envie de level up quand même le setup dans lequel on est là. Je t'avoue que oui. La crème de la crème, rien que pour vous. Oh. En vrai, c'est pas si mal, hein. Y a lui aussi. Moi, je trouve ça ok, hein. Après, ça c'est une option de. Est-ce que lui est si bien que ça? Non, moi je veux jouer avec la 6-5. Oui, mais la question c'est Non, si on les joue deux. avec Lid, on joue pas avec la 3-3 selon moi. Ça va. Ah, ça coûte un peu cher le Ce qui remplacement. est cool, c'est que là les Mantides elles vont être bien adaptées en plus. Ah non, le lard. Ah Oh. bah non, il y a peu de chances qu'on joue avec ce lardeur. Oh. Plus de serviteurs, vous gagnerez en puissance. Oh. Pas cool Bah, ça, c'est ça qui dégage. Hein. oh non. Non. Ah, je suis désolé de te le dire, mais. Non! Bon, ça va, on a encore l'ardeur, c'est ok. Je mets ça et on fout les deux sur. Ouais, sur Lid. On va bien tripler un Ah, y truc a là. l'OM a marqué? Ça a l'air d'être un match de zinzin. Oh là 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 là. Je me dis qu'on va gagner le fight là, Lui, il va c'est prendre, surtout hein. que. Ah ouais, lui il est. Alors lui, si sa game elle est pas finie maintenant. Oh, je me dis limite qu'il faut attaquer encore. En vrai, t'as que des trucs bien à récupérer là, globalement. Quasiment oui. Juste pas lui quoi. Ouais, lui, c'est vraiment ça. L'hydre, mais c'est peu probable. Parce que du coup, il a eu un truc doré là depuis qu'on l'attaque. C'est tout? Mais Ou en vrai, deux c'est trucs? beau comme club l'OM parce que peu importe à quel point ils sont à chier, il y a toujours des gens pour les supporter. Moi, je trouve ça bien dans un club. Bah, tu es bien placé pour le savoir. Exactement, c'est pour ça que j'apprécie. Oh, parfait! Ça va. Le triple. Et il est mort en plus. Est-ce qu'on a On les... ouvre la limite de dégâts. Est-ce qu'on a les trucs avant qu'ils se triplent? Comment ça marche? Je crois pas, hein. Attends. Non, on les a pas. Je crois que j'ai Ah, déjà il me expérimenté semblait que ça le faisait pas. malheureusement. Bon, on va pas trop se plaindre, ça va. Non, ça C'est ira. comme si on avait deux sorts après tout. Bon, Ouais, on le la raid prendra Mantide, pour c'est plus bien. tard. Hein. Oh, l'affaire! Il l'a vu. La bonne affaire. Il faudrait des LM là. Ah ouais? Ouais, pas lui non plus, Pas peut-être. forcé quoi. On voit que la 2-2, la 4-4, non? Est-ce que même ça vaut le coup? Parce qu'à force de rien acheter. Faut acheter des trucs, ouais. Ah mais pas ça. Après, ça booste là aussi, mais. Ah, bah voilà, Voilà, ça on veut. ça me Ça, régale. c'est la teuf. Là, le lardeur est vendu là. Non. Oh, incroyable ça. Alors peut-être. Envie d'acheter ça, moi. Oh, tu sais Bah ouais. C'est quoi, c'est ça qui ça? saute? Ouais, je pense. Ah, après si on la triple, ça se met mal parce que du coup il manque un. Est-ce que Ouais. c'est pas juste ça qui dégage? En vrai. Bah, joue l'autre avant, du coup. Oui. Bah non, on peut juste faire ça en fait. On le garde un tour et on voit si Atissa se triple de toute façon. Oui, c'est vrai.
que là, ils vont commencer à être forts quand même, j'espère. Après, ton truc, il prend quoi? Plus 8, là? Non, plus 6, plus 6. Je crois qu'il a pris plus 6, ouais. Ah, ils sont forts. Ouais! Oh! Ça joue, ça joue. Ah bah, ça joue très fort, même. Tant qu'on a dit ça, ça me va. Oh, c'était un bon hit, ça. Ah ouais. Oh, attends, c'était insane. Ah, mais ça peut être relou, en vrai. Ouais, parce que du coup, je peux récupérer Seti. Oh, ok, bien joué. Bien joué, les potes. Bon, on se fait un peu taper, mais... Ah, ça ne va pas être top, hein, cette game. Bah, le problème, c'est que... Double larder en livre de cuisson, ce n'est pas top, hein. Lui, il a mis une option sur le top 1, quoi. Oh! Orgozoa, ça... Y a des choses, là. Cool, ça. Bah, les LM, hein. Il y a également... Oh, c'est bien, ça. Petit shield. Ah, j'ai limite envie de finir avec et de le garder après. Oui, je suis d'accord. Hop. Ça. Maintenant que c'est doré en vrai. Oui, je suis d'accord. Tant que c'est pas doré, j'aime pas. Mais une fois que c'est doré, j'aime bien acheter les boosts. Le truc, c'est que ça, c'est pas pertinent parce que je suis pas sûr que je vais jouer très longtemps avec lui. Ok. Ah, encore que. C'est peut-être lui qui saute. Ah. Je sais pas. Bah. Non. Ouais, non. Ça a pas de sens de. Alors attends, ah mince, j'avais oublié que j'avais lui. Je sais pas sur quoi on met les taunes sur lui. Oui. Il est très fort lui. Oh, il a pas l'air. Ah, en vrai, il joue full LM. Un Nomi doré, ça peut faire des dégâts. Hein. Ouais, mais du coup, je me demande si je suis pas censé jouer déjà avec la mantide. Ah, et. Mais du coup, je dois t'échouer. Ouh, bah oui. Wow, pas grave ça. Oh, oui, un autre pôle. Oui, sûrement. On aurait pu le mettre sur. Mantide, mais bon. Oui, bon. C'est pour les tryhards, ça. Oh. J'aime pas mal, ça. On va le cycler le tour d'après. Oh, moi, je pense que ça passe. On est big. Vas-y. Les couillasses. Ouais, ouais, les couillasses. Bah, surtout que lui, il prend pas mal de boost, quand même. En quoi plus 8 là pour le coup? On est tour 10, attends. Ah voilà! Ah voilà! Ah, c'était pas le bon truc qui a triplé lui. Oh ouais. C'est. Ah, le truc qui donne le feu de 20. 2-1 OM! Oh là 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 là, la remontada. Oh là là, ils sont super. Bon, faut déterminer qu'est-ce qui se barre là. Oh, c'est cool d'avoir la 6-5. Hein. J'avoue que la 6-5 là, elle a fait son temps là. Ouais, on peut la garder un tour. Ouais. C'est pertinent. Bah. Parce que bon, on va rentrer une mantide. Je suis pas sûr. Hein. Moi, j'aime pas jouer avec les deux saps. Je trouve que t'as déjà pas beaucoup de place quand tu joues Naga. Ah, sans soi, t'as que 3 Naga. Donc t'en as. Enfin, là, on va jouer avec 4 Naga. 4 lead, Naga, on a 2 slots. Donc on a ça. Ouais, mantide c'est une et. Deuxième mantide. C'est ça, hein. Tu veux jouer un Leroy ou une autre mantide. Oh, bah, un Leroy. Oh, le triple. Allez, toi, ça dégage. Oh! En plus, on peut garder Paul le Poulpe là. On est assez fort. C'est un mode où j'ai HP pour aller chercher l'héroï maintenant et pas le freeze. De toute façon. Bon, allez. Si je meurs, je meurs, non? Oui. Enfin, surtout contre eux, je me vois pas me dire, oh tiens, je prends un hit et. Faut juste espérer ne pas retaque Jandis quoi. Comment ça? Le tour d'après. Si un des deux survit. Ah, lui aussi, il est en pirate APM, les deux? De toute façon, pour moi, lui, il va mourir, non? Donc je vais forcément tag Jandis. Ok, je sais pas. Carton rouge pour le gardien du Sporting. Oh, mais c'est la catastrophe, là! Ah, peut-être que le raisonnement, c'est justement de pas garder Paul et de juste dire, bah, Jandis, on va sûrement la tag et on n'arrivera pas à la battre. Donc est-ce que c'est pas juste mieux d'assurer un top 2? Je sais pas.
Attends, mais en quoi on a... Je comprends pas le... Pourquoi on assure pas en jouant... Ah, tu penses que je vais mourir contre le mort, là? J'en sais rien, tu vois, mais... Ah, wow. J'avoue que j'imagine pas trop le mort me tuer, mais... Il est mort! Et il est nul! Bah ouais, en même temps, on est tour... Enfin, lui, il était tour 10 quand il est mort, donc si ma compo, elle bat pas un mec de tour 10... Comment ça va, exécution? Ouais, c'est... Il va sauter, ça va oui, être oui, Leroy. Oui. Leroy. Là, on a nos deux cartes de finisher. Hein. C'est juste que, de toute façon, on a besoin de slot pour ce tour-ci. Et oui, l'agent 10 va prendre... Après, elle était pas en full-full. Ouais, mais bon, elle jouait le truc, c'est qu'elle a l'île de cuisson, donc elle a pas besoin, en soi. Oui, oui. Y a méca... Ah non, y a pas méca, si. L'île de cuisson fait que, en effet... L'année de Zinzin, merci Tomaresco. Merci, frérot. Merde. Oh, c'est chiant, ça. Ouais, j'avais pas calculé. Attends, on a que ça qui est mort. Oh, catastrophe. Attends, mais j'en ai pas eu du coup. Oh, wow. Ah, ça c'était pas cool. Bon, de toute façon, aujourd'hui elle va nous la mettre, donc prends le taunt, non? Oh, de toute façon, elle va nous la mettre. Ouais. Mais quand t'es dans ce genre de setup, Kourourou, enfin, faut juste te dire que si tu pars du principe que tu es suffisamment fort, ce qui était le cas ici, t'as pas besoin de jouer avec quelque chose. Enfin, de changer quelque chose qui te fait des stats. Donc là, Orgozoa et Executus, ça faisait des boosts, donc autant les conserver. Attends, essaye de tripler. Oh, attends, la dompteuse, c'est bien. Oui. De toute façon, on est j'y mort. J'y crois, hein. J'y crois, mec. Deux dompteuses. Ah, deux dompteuses, là. Ça a tout changé. Elles vont voler plein de boosts. Ça va me régaler. Oh, elles ont presque rien volé, regarde. Ouais, j'avoue, elles ont été sympas. Oh, attends, le... Oh, tu peux faire pouvoir. T'as un boost sur l'île, quoi. Ah, oh, putain. Ça a tout changé, quoi. Putain. C'est dommage, parce que c'est une compo qui, dans certains setups, peut faire top, ah, hein, bah, mais... Tour 12, cette compo, ouais, c'est... Mais malheureusement... J'estimais que c'était pas mal, hein, mais... Je vais pas open avec, ouais. Yeah. Ah, peut-être qu'on aurait dû garder un boost et le mettre dessus. Ouais... Encore une fois, oui. Hein, j'ai l'impression qu'on s'emmerde alors que... Livre de cuisson avec pirate dans la game, c'est forcément fort. Bon. Après, il faut choper le setup, mais... Oh, attends. Ah, putain. Par contre, l'open Leroy... Ouais, on aurait dû le booster si on openait avec. C'était des bons hits. Ah, c'était bien appliqué, pourquoi? Oh, attends, mais attends, tu gagnes, là? Ouais. Ouais, mais le problème. Ah, c'est sur du. Il a trop de PV et le battre autant de fois. Ah, quoique. On chatte un petit coup là. Attends, moi, c'est ça, que je lâche un peu Bordock, non? Ah, si on dit all-in et c'est notre dernier fight, on peut juste dégager le bouclier divin en soi. Et on essaie de trouver une autre mantide ou autre. D'ailleurs, on va pas mettre le bouclier sur lui du coup. Oh, d'ailleurs, je vais le dégager tout de suite pour en remettre dans le pool. Là, c'est quand même un triple. Ouais. Oh, bah Leroy, ouais. Leroy, ça m'a l'air bien quand même. Je vais voir son board. Est-ce qu'on peut pas donner taunt et bouclier divin à un Leroy? Ça peut pas être ok, ça. Taunt et bouclier divin. Ouais, comme ça il attaque avec sa merde et après c'est l'hydre qui attaque et ça la tue. Je sais pas, moi je voulais juste faire genre ça et je mettais ça là. Non ok. Et je mets taunt sur un. Enfin, le bouclier divin sur un truc où ça va un peu plus clutch. Oh le taunt. Oh le taunt. C'est cool. On peut HP là. Et 2-3. Attends, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on met les deux taunts? Sûrement. Oui. Ah, ou est-ce qu'on n'a pas plus de chance d'essayer de l'étale si on met une furie des vents? Ah, tu veux furie des vents comme ça, le bouclier divin? Ah, je me dis, ouais. Ouais, ok. Et du coup, est-ce que c'est pas mieux? Attends. Mieux. Je tente juste ça. Hein. Est-ce que c'est pas mieux de mettre le bouclier divin à la place du Leroy? Non. Parce que là, ton Leroy en soi, il est un peu. Ah! Oh putain, il est. Comment il est. Ah, il en a eu un autre qui. Ah, pas cool ça. Pas cool du tout.
Ouais, c'est déjà vite gros et il a triplé son truc. C'est trop dur. Ouais, il est trop fort. Ah, ouais. Dommage, on aura tenté. C'est juste trop dur quand c'est lancé. Hein. Il avait, de toute façon, on l'avait tag, il avait son livre de cuisson, c'est de l'ardeur. Et c'est là où c'est fort, livre de cuisson, c'est que bah si t'as que deux l'ardeur, souvent, ça suffit pas à gagner. T'en as besoin de quatre, techniquement. Et avec le livre de cuisson, ça compense ce côté-là.